Bonsoir, nous voici à Marseille où le temps. Bonsoir, nous voici à Marseille où le temps. Nous sommes actuellement positionnés au-dessus de l'Écosse et de l'Irlande et qui maintient les températures dans le froid. Et oui, regardez, on descendra à moins 3 degrés entre Reims et Aurillac. Il fera moins 2 à Rouen, moins 1 à Lyon. On attend 0 degrés en Alsace, 2 à Toulouse. Il fera 3 degrés à Brest, 4 à Cherbourg. On attend 5 degrés à Perpignan, 6 à Marseille et 9 degrés à Nice. Et Bastia, alors dans la matinée, le soleil brillera sans encombre de la Bretagne, de la Vendée à la Belgique et au nord du Bas-Rhin. Des voiles nuageux voletteront sur la pointe bretonne et du Cotentin, ainsi que de la Charente-Maritime au Bas-Rhin. En revanche, ils auront un aspect cotonneux des Pyrénées. Est née à la région centre et à l'ouest de la Bourgogne. Dans l'après-midi, la dépression Juliette donnera encore des nuages et surtout de la neige sur les Hautes-Pyrénées, les Alpes du Sud et la montagne Corse, entre 1000 et 1100 mètres d'altitude. Les nuages cotonneux se retrouveront le long de la façade atlantique, tandis que les petits voiles glisseront sur une grande moitié sud ainsi que de la Bretagne au Cotentin. Et bien que les températures se radoucissent jour après jour, elles resteront malheureusement sous les moyennes saisonnières. Demain après-midi, avec 5 degrés attendus à Limoges et Aurillac, il fera 6 degrés à Mulhouse, 7 à Lille, on attend 8 degrés à Tours, 9 à Dijon, il fera 11 degrés à Grenoble et 13 à Nice. Vendredi, des nuages circuleront entre le centre-est et le sud-ouest avec de la pluie mêlée à des flocons de neige. On observera des nuages et des averses sur la Corse, pas mal de nuages aussi sur les Hauts-de-France. Et ils envahiront la quasi-totalité de la France samedi. Il y aura de la bruine sur le département du Nord. Sur la Corse, pas de changement puisqu'on conservera des nuages et des précipitations et le soleil s'imposera sur le sud et gagnera du terrain dimanche. Seule une petite bulle de grisaille persistera sur le sud-ouest. La moitié nord de l'Hexagone restera sous les nuages et les précipitations. Et puis changement de régime à partir de lundi. La pluie tant attendue est enfin de retour. Alors comme vous pouvez le voir, les nuages seront extrêmement nombreux. Plus sombre le long des bords de Manche ainsi que sur l'extrême sud-ouest, le soleil résistera encore autour de la Méditerranée avant de déclarer forfait. Mardi, toute la façade atlantique sera sous la grisaille. Ailleurs, on alternera entre nuages timides, éclaircies, averses et même neige sur le relief alpin. Finalement, mercredi, ce sera des giboulées pour tout le monde, le tout sous de bonnes rafales de vent. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur M6, météo.fr. Ce soir, ne manquez pas Top Chef. Très belle soirée à tous.